Bonsoir. Non, c'est bon. Bien sûr d'être venu. Semaine entière sans massacre, c'est fort. Net progrès. L'humanité est en progrès, vous êtes au courant. C'est net. Bah, cette semaine, en tout cas, c'est net. Alors, bon, bien sûr, on va. Oui, bah, pas au Nigeria. Les indigènes entre eux, bon, non, on est plus habitués, nous. On s'est blindé à force parce que ça nous fait moins de choses, hein, quand même. Mais en progrès. Et j'espère que ce spectacle également sera en progrès par rapport à la semaine dernière. L'ascension. Alors, le net progrès, par exemple, par rapport à la semaine dernière, c'est que je vais beaucoup moins parler. Et à la place, comme vous n'ignorez pas, nous sommes ici à la maison de la poésie. Je vais donc à la place lire de la poésie. Alors je vous explique le principe. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous n'êtes pas obligé de revenir toutes les semaines. C'est mieux. C'est pour ça que je suis à l'entrée pour bien regarder. Oui, donc on va lire un morceau, un poème de. Je vais lire un poème de Pessoa qui s'appelle Bureau de tabac. Et puis de temps en temps, il y aura quelques chansons de Mendelssohn et puis des chansons de moi tout seul. Et puis aussi des chansons que j'ai faites avec Jean-Michel Pires, qui est un autre membre de ce fameux groupe bien connu. Mendelssohn. Alors, eh ben, je crois que c'est bon. Hein, je crois que est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il manque une information? Je veux perdre personne, mais encore au début du spectacle, je veux emmener tout le monde. Donc, tout le monde est là. Ok. Poème, chanson, poème, chanson. Alors, je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne peux vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, dans la fourmilière humaine, unité ignorée. Et si on savait ce qu'elle est, que saurait-on de plus ? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toutes les pensées, réelles, impossiblement réelles, précises, inconnaissablement précises. Avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et les humains de cheveux blancs, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je connaissais la vérité, lucide aujourd'hui, comme
comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Cette maison et ce côté de la rue se muant en une file de wagons avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle et la sensation que tout est songe. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes qu'on m'a inculqués, je
Je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je suis parti à la campagne avec de grands desseins. Mais là, je n'ai trouvé qu'herbe et arbres. Et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre. Je m'assieds sur une chaise. À quoi penser? Que sais-je de ce que je serais, moi qui ne sais pas ce que je suis? Être ce que je pense? Je crois être tant et tant. Et il y en a tant qui se croient la même chose qu'il ne saurait y en avoir autant. Un génie. En ce moment, 100 000 cerveaux se voient en son génie comme moi-même. Et l'histoire n'en retiendra qu'il ne sait même pas un. Du fumier. Voilà tout ce qui restera de tant de conquêtes futures. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui n'ai point de certitude, suis-je plus assuré? Le suis-je moins? Non, même pas de ma personne. Combien de mansardes et de non-mansardes du monde y a-t-il à cette heure des génies pour soi-même rêvant? Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles, oui, authentiquement hautes, lucides et nobles, et qui sait peut-être réalisables, qui ne verront jamais la lumière du soleil réel, et qui tomberont dans l'oreille des sourds. Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non pour qui rêve, fût-ce à bon droit qu'il peut le conquérir. J'ai rêvé plus que jamais Napoléon ne rêva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait en secret des philosophies que nul Kant n'a rédigées. Mais je suis peut-être à perpétuité l'individu de la mansarde. Sans pour autant y avoir mon domicile, je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours sans plus celui qui avait des dons. Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrit la porte. Près d'un mur, sans porte, et qui chanta la romance de l'infini dans une basse-cour. Celui qui entendit la voix de Dieu dans un puits obstrué. Crois en moi, pas plus qu'en rien, que la nature déverse sur ma tête ardente son soleil, sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux, quant au reste, advienne que pourra. Thank you.
l'Ardèche. Ma journée, mon hiver. Nous commençons une autre vie. Esclaves cardiaques des étoiles. Nous avons conquis l'univers avant de quitter nos draps. Mais nous nous éveillons et voilà que l'univers est opaque. Nous nous éveillons et voilà qu'il est étranger. Nous franchissons notre seuil et voici qu'il est la Terre entière plus le système solaire et la Voie lactée et le vague illimité. Mange des chocolats, fillette. Mange des Dis-toi qu'il n'est d'autre métaphysique que les chocolats. Dis-toi que toutes les religions, toutes ensemble, n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite malpropre, mange. Puissais-je manger des chocolats avec une égale authenticité? Mais je pense, moi, quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est en état, je flambe tout par terre. Comme j'y ai flanqué la vie. Du moins, subsiste-t-il de l'amertume, d'un destin irréalisé. La calligraphie rapide de ces vers, portiques délabrés sur l'impossible, du moins, les yeux secs, me vouais-je à moi-même du mépris. Noble, du moins, par le geste large, avec lequel je jette dans le mouvement des choses, sans note de blanchisseuse, le linge sale. Et reste à la maison, sans chemise. J'ai sorti le linge de la machine et j'ai enfilé un t-shirt
Seul, qui n'existe pas, et par la même console. Ô déesse grecque, conçue comme une statue douée du souffle. Ô patricienne romaine, noble et néfaste infiniment. Ô princesse de troubadour, très jante et de couleur ornée, ou marquise 18e, lointaine et fort décolletée, ou cocotte célèbre du temps de mon père, ou je ne sais quoi de moderne. Non, je ne vois pas très bien que tout cela, quoi que ce soit, et que tu sois, m'inspire s'il se peut. Mon cœur est un seau qu'on a vidé.
Ça fait comme une vieille éponge.
les esprits, je m'invoque, moi-même, sans rien trouver. Je viens à la fenêtre et vois la rue avec une absolue netteté. Je vois les magasins et les trottoirs, et les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent. Je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela me pèse comme une sentence de déportation. Et tout cela est étranger. Comme toute chose. Thank you.
Mais, que dis-je, j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, il n'est de mendiant que je n'envie par le seul fait qu'il n'est pas moi. En chacun, je regarde la guenille, les plaies, le mensonge, et je pense, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni eu la foi, parce qu'il est possible d'agencer la réalité de tout cela sans en rien exécuter. Peut-être as-tu à peine existé, comme un lézard à qui on a coupé la queue, et la queue séparée du lézard frétillait encore frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire, et ce que de moi je pouvais faire, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On me connut vite pour qui je n'étais pas, et je n'ai pas démenti. J'ai perdu la face. Quand j'ai voulu ôter le masque, je l'avais collé au visage. Quand je l'ai ôté, je me suis vu dans le miroir, j'avais déjà vieilli. J'étais ivre. Je ne savais plus remettre le masque que je n'avais pas encore ôté. Je jetais le masque et dormis au vestiaire comme un chien toléré par la direction parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire afin de prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles qui me donnera de te trouver comme chose par moi créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'exister comme un tapis où s'empêtre un ivrogne, comme un paillasson que les Romanichets ont volé et qui ne valait pas deux sous. Thank you.
Ok. Autre chose. Quelque chose de... Rien à voir. Je regarde les nuages. C'est beau. C'est bien. Je regarde les nuages, les merveilleux nuages. Je suis bien. Comme un con. Je suis bien. Mais toujours dans un coin de mon cerveau, je me demande, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je regarde les nuages. D'où va venir le croche-pied? Je regarde les nuages. D'où va venir le couteau dans le dos? Je regarde les nuages. D'où va venir la tuile qui va me tomber sur la tronche? Je regarde les nuages. Ou plutôt le piano. Je regarde les nuages. C'est beau. Mais toujours je me demande. C'est comme quand je te regarde. Je te regarde quand tu dors. Je te regarde quand tu sors de la douche. Je te regarde quand tu marches dans la rue. Je te regarde. C'est beau. Je suis bien. C'est beau. Je suis bien. Comme un con. Mais toujours. Dans un coin de mon cerveau, je me demande, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je te regarde. Et d'où va venir le croche-pied? Je te regarde. Et le couteau dans le dos? Je te regarde. D'où va venir la pluie de tuiles obligées? Je te regarde. Je te regarde. Je te regarde. C'est beau, mais toujours je me demande. Je me demande. D'où va me tomber le piano? Des bonnes chansons. Vous pouvez le dire à ma place, hein, c'est pas un problème. C'est ça marche. Ah voilà, très bien. C'est bien. Vous pouvez revenir la semaine prochaine. Alors, non, c'est bien. C'est bien. Une autre chanson. Une chanson de chanteur américain. Il n'y en a qu'un pour moi dans mon cœur. C'est Bruce.
Ouais, il exagère. Mais je la ferai pas. Ok, silence. Laissera son enseigne et moi des vers. À un moment donné, mourra aussi l'enseigne et mourront aussi des vers de leur côté. Après un certain temps, mourra la rue où était l'enseigne, ainsi que la langue dans laquelle les vers furent écrits, puis mourra la
satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains, continuera à faire les genres de verre et à vivre derrière des manières d'enseigne. Toujours une chose en face d'une autre, toujours une chose aussi inutile qu'une autre, toujours une chose aussi stupide que le réel, toujours le mystère au fond, aussi certain que le sommeil du mystère de la surface. Toujours cela, autre chose, ou bien ni une chose ni l'autre. Avant la fin de cette vie mal vécue, tout m'est cassé sur son côté. Je sais que je dois disparaître. Je sais que je dois disparaître avec tout ce que je porte en moi demain. Comme une peste. Avec la force de tout ce que j'exècre, avec le poids de tout ce que je déteste, avec la colère qui me tient debout, debout comme un beau squelette. Je sais que je dois disparaître avec tout ce que je porte en moi demain. Comme une peste. Plus facile d'haïr que d'aimer, et la haine et l'amour. Les perdants, je n'aurais aimé que les forêts, les rivières, la colère, et m'y baigner dedans. Avec la force de tout ce que je déteste, on détruirait cet immeuble. Quartier et toutes ses fenêtres, et la ville et tout autour d'elle, et celle du petit dernier. J'aurais perdu ma vie à comprendre quel point j'y étais étranger, étranger à ma propre vie qui me supporte comme une mère supporte son enfant imbécile. Mal formé, comme une mère supporte son enfant détesté, un bout de bras qui se tord sous le poids de regret. J'aurais perdu ma vie à comprendre à quel point j'y étais étranger. Vive la fronde de la vie et après.
Le monde qui s'éparpille comme des dessins de verre. Le monde est brisé, le monde est brisé. Je vous remercie. Mais que montent les débris éparpillés à terre. On se blesse dans la vie comme au dessin de verre. Le monde est brisé, le monde est brisé. On fera autre chose, hein, d'autres chansons encore, et puis un autre poème avec d'autres gens. Et je crois que c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? La parole est ouverte. Merci. Pas trop longtemps, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Très bien. Parfait. Très beau discours. Vous connaissez le masque de la plume? Oui. J'adore quand il donne la parole, qu'il interrompt tout de suite les gens, dès qu'ils ne pensent pas tout à fait comme lui. Ça arrive jamais. C'est vrai qu'il, il a un public bien éduqué. Hein. Ils ont lu ce qu'il fallait penser avant de donner. Bon, ça suffit, il y a plein de gens comme ça alors qu'on les connaît même pas. Voilà, allez. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et puis, voilà, on finit.
Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac. Et la réalité plausible s'abat sur moi soudainement. Je me soulève à demi, énergique, convaincu, humain. Et je vais méditer d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette en méditant de les écrire et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome et je goûte en un moment sensible et compétent la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que la métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être que je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans sa poche de son pantalon ? Ah, je le connais, c'est Estève. Estève sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil, comme mu par un instinct sublime. Estève s'est retourné et il m'a vu. Il m'a salué de la main. Je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit pour moi, sans idéal, ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri. J'aimerais voir dans ta tête comme on voit au scanner sur une table de médecine. Tu fais que je m'emmerde dès que tu quittes la pièce. Tu fais comme un vide, tu fais comme un trou. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça ne va pas si mal. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça ne va pas si mal. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va. Des fois, t'es tellement belle. Je te regarde comme un film où tu serais. J'ai peur de paillettes. Ou alors que dans le décor, un figurant, une doublure, en passant une silhouette. Un passant, une silhouette. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça ne va pas si mal. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça ne va pas si mal. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va. Plus je te
vois que tu me manques. Tu me manques quand t'arrives, tu me manques quand tu t'en vas. Je me glisserai dans toi si c'était possible. Merci.